you are holy. Do you think our God is holy? Yes. Lion of Judah. Oh, you quelle baba.
Acclame le Seigneur Jésus. May the Lord bless us. Que le Seigneur nous bénisse. We've entered to another season of the fasting. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison de notre jeûne. So soon. So soon the 21 days is getting over. Très bientôt, les 21 jours vont se terminer. Now, people are not in church today. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas à l'église. Moi, bref. If somebody you know must be in church, it's not call the person. Si tu connais quelqu'un qui doit être à l'église mais qui n'est pas présent, appelle la personne. You should be calling like 100 people. Amen. Amen. Maybe you send in a group that where are you?
Amen. Amen. Isaac. Today you wear white, white, white. Now your birthday. Or your wedding day. To anywhere. This week we want to make it the week of the Spirit. Cette semaine, nous voulons la dédier au Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Like Sunday, I was telling you the hunger for God. Comme dimanche, je vous disais la faim pour Dieu. You can't have a sustainable hunger for Him without the presence of God. Tu ne peux pas avoir une faim continue pour Dieu sans la présence de Dieu. When we say the hunger of God, what we meant by that, we are just pushing to a more desire for Him. Lorsque nous parlons de la faim de Dieu, nous voulons juste vous pousser pour avoir plus de désir pour lui. Like I was explaining Sunday, that the way the world system is, it is difficult to truly have time for work, for God, and for what is internal. Et comme je le disais dimanche, la façon dont le système du monde nous conduit, c'est vraiment difficile d'avoir du temps pour Dieu. When it comes to God, we all have the statement of we love Him. Lorsqu'il s'agit de Dieu, nous tous, nous avons ce mot à la bouche que nous disons, nous l'aimons. There's nobody here who doesn't love God. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'aime pas Dieu. With words. Avec les paroles. Right? N'est-ce pas? With words, everybody loves God. Avec les paroles, tout le monde aime Dieu. But God's own standard of loving Him. Mais le standard de Dieu concernant comment nous devons l'aimer. It was in John 14, 15, I believe. C'est dans Jean 14, le verset 15. John 14, the verse 15 says, "If ye love me, keep my commandments." Jean 14, le verset 15 dit, "Si vous m'aimez, gardez mes commandements." So that is God's standard of love. Voici la définition de Dieu concernant l'amour. So talking about loving God on the lips, many of us do love Him. Parlant de aimons Dieu sur nos lèvres, beaucoup d'entre nous, nous l'aimons sur nos lèvres. Please, can I hear you say, Pastor, I'm paying attention. Est-ce que je peux vous entendre dire, Pasteur, je prête attention. God is witness. Dieu est témoin. There's a church there. She do what? Ah, okay. We just ignore her. Okay. Now. Do you know that I can make you think I love God? Savez-vous que je peux vous faire croire que j'aime Dieu? I need you to pay attention. J'ai besoin que vous prêtiez attention. Or Obi, somebody go feel make you think he or she love God. Ou quelqu'un vous fera croire que lui, il ou elle aime Dieu. Now, for instance, in the before the eye, there are a lot of things we do that somebody who is not God or who is not in you or in your mind, for you, wow, look at this girl, look at this brother. Par exemple, il y a beaucoup de choses que nous faisons que quelqu'un qui n'est pas Dieu et qui voit, qui dit, ah, regardez ce frère, cette sœur, regardez comment elle aime Dieu. Now, for instance, somebody will sing me. Par exemple, une personne qui est en train de conduire l'adoration ou bien qui chante. Especially when the person sings your favorite songs. Spécialement lorsque la personne est en train de chanter une chanson que vous aimez. Or while the person is singing, start crying. Ou bien lorsque la personne est en train de chanter, cette personne commence à pleurer. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur.
Je t'aime, Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, oui. Et la personne commence à pleurer. La personne se retient d'une façon, l'atmosphère d'une façon. C'est l'émotion. You know, Americans, they truly deceive us. Les Américains nous ont vraiment trompés. When they sing those their songs, finally, they will do like this. I love you, Lord. Et lorsqu'il finit de chanter, il soulève la main, aussi, je t'aime, Seigneur, avec une voix suave qui captive. Like this guy. Comme ce frère qui est de Kumasi. I was listening to him before. Je l'écoutais auparavant. He will sing the song, il va chanter à la fin. Bibi, hear me. Et à la fin, il va commencer par gémir, faire des gémissements. There's one guy also I know. Il y a un frère que je connais aussi. Il va chanter like l'adoration. Et il va faire comme s'il est en train de tomber. But let them finish singing. Mais laissons-les terminer de chanter. So, I can make you think I love God and you can make me think I love God. Je peux vous faire croire que j'aime Dieu et vous pouvez aussi me faire croire que je vous aime Dieu. The true man and a woman that love God is a relationship that exists between him and his God. That is well understood to God and him. And it's being seen. But that, okay, come. Mon papa est en train de dire que cette relation personnelle entre toi et Dieu, c'est ça qui détermine cet homme réel ou bien cette femme réelle qui aime Dieu. Can we see them? Camera can see them. They should come here. Okay, Brassi. Look at your dresses. And Nico and you. I'm bad, sorry. Now, they are in relationship. Hold yourself. I couldn't bring a woman. You are married people. They are in relationship. Ils sont en relation. Okay. Seeing them together. Les voyant ensemble. So what are powerful friends? Oh, quel ami, ils sont véritables. Raise your hand. Soulevez la main. Because they have hand. Parce qu'ils ont les mains liées. Ils marchent main dans la main. There's no relationship that is established with no interest. Il n'y a pas de relation qui est établie sans intérêt. Okay. God has his interest. The woman is also having interest. Dieu a son intérêt et l'être humain aussi a son intérêt. But God without us is still God. Mais Dieu sans nous demeure Dieu. Do you get it? Est-ce que vous comprenez? You are not God. Tu n'es pas Dieu, c'est un exemple qu'on est en train de donner. But God is in relationship with human being. Dieu est en relation avec l'être humain. The only thing God wants from a human being, love me. La seule chose que Dieu demande de l'être humain, c'est de l'aimer. And he explained it. Et il a expliqué. In case you don't know how to love me, this is how you should love me. Au cas où tu ne comprends pas bien, tu ne sais pas comment m'aimer, voici comment m'aimer. Anytime you obey my commandment, that is love for me, God. À chaque fois que tu obéis à mes commandements, voici l'amour pour moi, Dieu. Are you following? Est-ce que vous suivez? Now, are you sure you're following? Est-ce que vous êtes sûr que vous suivez? Now, what is the interest of God? C'est quoi l'intérêt de Dieu? The love God is asking from you. L'amour que Dieu demande de ta part. He himself is that love. Lui-même est cet amour. So you cannot surprise him anyway. Alors tu ne peux le surprendre d'aucune manière. And God is not lonely. Et Dieu n'est pas seul. C'est ça, frère. And God is not feeling sad. Et Dieu ne se sent pas triste. So Paul told us that he first
love us. Alors l'apôtre Paul nous dit que il nous a aimé le premier. And before we were even created, God have created powerful things, wonderful things, shocking things, things that are horrible and things who are beautiful before we were created. Avant même que nous ne soyons créés, Dieu a créé des choses puissantes, merveilleuses, des choses qui sont terribles, des choses puissantes. God have an attitude and a behavior to live with that as before we were born. Dieu a une attitude et un comportement de vivre avant que nous ne soyons nés. But we started with him. Mais nous avons commencé avec lui. Are you following all? Est-ce que vous suivez? Are you here? Êtes-vous présent? Okay. Now, it was God's decision to make man. C'est la décision de Dieu de créer l'homme. Man is made. L'homme a été créé. Man opened his eyes. The first person he see is God. Et lorsque l'homme a ouvert les yeux pour la première fois, c'est Dieu qui l'a vu. And life continued there. Et la vie a continué de là. I want to jump the step. Je veux sauter les étapes. To come to the redeemed Adamic. Pour arriver à nature. À la nature adamique qui a été sauvée. Now they are in the relationship now. Maintenant ils sont dans une relation. This man know what has happened between God and man before. Et cet homme connaît ce qui s'est passé entre l'homme et Dieu dans le passé. And God wrote in his word that I change not. Et Dieu a écrit dans sa parole, je ne change pas. Meaning that whatever anybody did with God does not change God towards any other man. Cela veut dire que peu importe ce qu'un homme aura fait, cela ne changera pas Dieu à l'égard d'un homme. Did you get that one? Est-ce que vous avez compris? I'm God and I change not. Je suis Dieu et je ne change pas. So it does not matter what Abraham, Adam, David have done to God. Peu importe ce que Abraham, David, Adam ont fait à Dieu. Cela ne change pas Dieu. He say, I'm God and I change not. Il dit, je suis Dieu et je ne change pas. So the relationship God was expecting from Adam or have with Adam in the garden is the same relationship God want to have with me and you. La relation que Dieu avait avec Adam dans le jardin, c'est cette même relation qu'il veut avec toi et moi. So we are with God now. Alors nous sommes avec Dieu maintenant. And be with him. Et étant avec lui, somebody who is not in this hand or who doesn't know the commandment relationship, he say, oh, always he go to church. Et quelqu'un qui ne connaît pas les commandements bien les intérêts dans cette relation va dire, ah, à chaque fois il va à l'église. Always he go to mission. Ah, à chaque fois il va en mission. He do dawn broadcasting. Et il fait l'évangélisation matinale. He do this and do that. Il fait telle et telle chose. Because man is still with God. Parce que l'homme est toujours avec Dieu. So when you see them together, the person can speak in tongues. Alors lorsque vous les voyez ensemble, la personne peut parler en langue. And speaking in tongues is a language of the spirit. Et parler en langue, c'est la langue de l'esprit. I watch a video of one American guy. J'ai pastor. Suivi la vidéo d'un pasteur américain. This interviewer, they were sure Americans are funny. Les Américains sont drôles. The pastor said, I think it's 34 or 30. Yeah, 34. He doesn't. And 34, about 9 years, he didn't touch a woman. Et le pasteur so, avait 45 ans. Donc, everybody il a dit, say, oui, oui. Depuis 9 ans, il n'a pas touché de femme. Et tout le monde commençait à dire, waouh, waouh. Depuis 9 ans, lui n'a pas touché de femme. Et tout le monde était émerveillé. So I was interested in watching. J'étais intéressé de suivre la vidéo. When the so-called pastor was talking, lorsque le ce pasteur était en train de parler, he would talk more and speak in tongues. Il va parler un peu, il parle en langue. Et il parle en langue, il parle un peu, il parle en langue. And you say, excuse me, I'm full of the spirit. Et il va dire, ouais, pardonne-moi, je suis rempli de l'esprit. I just love God. Je l'aime et commence à parler en langue. I just love God. J'aime juste Dieu. Je ne. C'est oui, Jimmy. This is not correct. Ce n'est pas correct. But since the one interviewing him, mais comme celui qui était en train de l'interviewer, does not know the times and the rules
of God's love. Ne connaît pas les termes et les lois ou bien les règles d'aimer de Dieu, dans l'amour pour Dieu. They were giving him fans like he. Ils étaient émerveillés. Ils disaient, wow. That's wow. How much America has fallen. C'est là où nous reconnaissons comment les Américains sont tombés, ou bien là où ils sont tombés. Somebody who didn't touch a woman for 9 years. Quelqu'un qui n'a pas touché de femme depuis 9 ans, years, ou bien 6 ans. It was an challenge. It's like. Pour eux, c'était un super homme. Wow. And this man is a pastor. Et cet homme, c'est un pasteur. So what came to mind is that. Et ce qui est venu dans ma pensée sur le coup, j'ai dit. America has truly fallen. Les Américains ont réellement tombé. It's not common to see a pastor who is a young guy. C'est pas commun de voir un jeune pasteur. Who is not sleeping around. Qui ne couche pas avec les sœurs allant. So the way he spoke in tongues. La façon dont il parlait en langue. After every phrase. Après chaque phrase. Make people think that oh what a guy that loves God. Faisait croire aux gens que ah cet homme il aime Dieu. But I suspect him that he may be a homosexual. Moi je le suspectais peut-être qu'il est un homosexuel. No, yes, I'm telling the truth. Je vous dis la vérité. Because when people are, you are supposed to be a masculine, but you have this character of feminine trait, you know. Lorsque tu es censé être masculin, mais tu as ce trait féminin, genre tu es un peu efféminé. There's a question mark. Il y a une point d'interrogation sur toi. So because the person has something of God. Parce que la personne a quelque chose, une nature de Dieu. Say okay, you love God. Okay, il aime Dieu. It's God who know who truly loves him. Seul Dieu sait qui l'aime réellement. That's why we have to truly seek to please God. C'est le pourquoi nous devons réellement chercher à plaire à Dieu. This is where the problem is. Voici là où se situe le problème. Many people, when they are in error, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans l'erreur, that's where they remember to please God. C'est là qu'ils se souviennent de plaire à Dieu. Do you know why? Savez-vous le pourquoi? So I will not listen to anybody. Oh, je vais écouter personne. Me, I'm only pleasing God. Moi, je cherche seulement à plaire à Dieu, hein, pas un homme. Nah, yeah, yeah. Tu te trompes. Because any pleasing God will help the horizontal relationship to be good. Lorsque tu vas vouloir plaire à Dieu, cela va aider la relation horizontale à être une bonne relation. You will not please God while you are breaking God's laws. Tu ne vas pas plaire à Dieu lorsque tu es en train de briser ses règlements ou bien sa loi. You will not love God while you are breaking your love for him is breaking his laws. Tu ne vas pas aimer Dieu lorsque cet amour que tu dis avoir pour lui est en train de briser ses commandements. Is that okay? Est-ce clair? Now, God now he determined his certain establish the relationship between him and man. C'est Dieu qui a établi la relation entre lui et l'homme. So he have an interest. Alors il a son intérêt. I've created a place for you. J'ai créé un lieu pour toi. I want to do you well. Je veux te faire du bien. God is good. Dieu est bon. Anybody who is a good person, if he doesn't do good, he will be disturbed. Toute bonne personne, s'il ne fait pas le bien, il sera dérangé. So God want to show lavish his goodness on man. Alors Dieu voulait révéler ou démontrer son amour pour l'homme. So as he picked man, et quand il a choisi l'homme, say if you obey my commandment, il a dit si tu obéis à mes commandements, I will do this, I will do je that. Ferai telle et telle et telle chose. But I say for you, man, mais il a dit pour toi, homme, the things I want to do for you, ce que je veux faire pour toi, don't even ask me, ne me demande même pas. Just obey my commandment. Toi, obéis seulement à mes commandements. As you obey my commandment, et comme tu seras en train d'obéir à mes commandements, the love that I established between me and you, l'amour que j'ai établi entre toi et moi, it will be on safe hand, sera dans une main sauve. Now, men try to obey God to stay in that relationship with God, but it was not possible. L'homme a essayé de demeurer dans cet amour en obéissant à Dieu, mais ce n'était pas possible. So what happened? Alors qu'est-ce qui s'est passé? God have to send the Holy Spirit. Dieu devait envoyer le Saint-Esprit. That's why in Galatians chapter 5 you see the fruit of the Spirit that starts with love. C'est le pourquoi dans Galates 5 à partir du verset 20 vous allez voir que le fruit de l'Esprit a commencé avec l'amour. There's no way
you can come to the standard of God's love for God without the Holy Spirit. Il n'y a pas de moyen que tu vas arriver dans cette dimension, dans le standard de Dieu concernant l'amour sans le Saint-Esprit. You will try, but you will be stuck. Tu vas essayer, mais tu seras stagné. Tu vas stagner. You will be disappointed. Tu seras déçu. When was the last time Holy Spirit speak to you? C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a parlé? When was the last time the Holy Spirit tell you? Don't. C'est quand la dernière fois le Saint-Esprit t'a dit ne le fais pas. Was the last time he tell you go and do this for me? C'est quand la dernière fois il t'a dit va et fais-moi ceci. Was the last time the Holy Spirit hold you on till you cry? C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a arrêté sur quelque chose au point où tu as pleuré. Do you know that tonight, for instance, if the Holy Spirit want to truly move, we all have to be crying. Savez-vous que réellement, si le Saint-Esprit veut bouger ce soir, nous tous, nous serons en train de pleurer. It's by the Spirit that you can say Abba Father. C'est pas l'Esprit que tu peux dire Abba Père. That's what the Bible says. There's no one that is being having the Spirit of God can call Jesus a curse. Et c'est pourquoi la Bible dit que personne ne peut avoir le Saint-Esprit et appeler Jésus-Christ anathème. In this series of having hunger for God, it takes the Spirit of God to journey us through that road. Dans cette série d'avoir faim pour Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire sur ce chemin. Jesus has been physically tabernacled with the apostles. Jésus était physiquement le tabernacle, était en ce tabernacle au milieu des apôtres. But like the character of Peter. Regardez le caractère de Pierre. Thomas. Don't mention Judas. Ne mentionnons même pas Judas. We see their character while Jesus was in body with them. Nous avons vu leur caractère lorsque Jésus était en chair avec eux. They've seen Jesus walk on water. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. As for the bread, they chop bread. Pour le pain, ils en ont mangé au point où le reste ils l'ont amené à la maison. Peter's mother-in-law was healed. La belle-mère de Pierre a été guérie. A woman was bent down. Une femme years. Qui était courbée 18 ans a été redressée. Jairus' daughter. La fille de Jairus. The woman of the issue of blood. La femme qui avait le problème d'écoulement de sang. The water turned to wine. L'eau qui a été transformée en vin. Many wonderful things. Beaucoup de choses merveilleuses. Those things couldn't help them to love Jesus and to obey him fully. Those things couldn't. Ces choses n'ont pas pu les aider. Their inner man. À changer leur homme intérieur. Cette chose que Jésus a fait n'a pas pu les aider à lui obéir, à l'aimer. Jesus watched and said, "You people." Jésus les a regardés, il a dit, vous. Don't move from Jerusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Wait for the promise. Attendez la promesse. See, when he come, et lorsqu'il sera là, he shall reveal all things to you. Il vous révélera toutes choses. See, don't go. Ne quittez pas. Wait for him. Patientez, attendez-la. And that day, while they were all in the upper, 120 people. Et le jour-là, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient 120 personnes. The Bible spoke about a rushing wind. La Bible a parlé d'un vent impétueux. That came. Qui est rentré. Then, alors, the Spirit of God deposited on top of them a tongue of fire. Alors l'Esprit de Dieu a déposé sur chacun d'eux une langue de feu. There is something supernatural that has been added to their natural life. Il y a quelque chose de supernaturel qui a été ajouté à leur vie naturelle. You yourself. Toi-même. Peter cutting people's ear.
pierres qui coupaient les oreilles des gens. Because they want to kill Jesus. Parce qu'ils voulaient tuer Jésus. Now this Peter, maintenant they are, cette même personne, and telling them, crucify me down. On le tuait, c'est lui qui dit, oh non, ne me crucifiez comme Jésus, crucifiez-moi la tête en bas. If he's chopping people's ears because of Jesus, s'il coupait les oreilles des gens à cause de Jésus, people when they want to kill him? Qu'est-ce qu'il serait en train de faire aux gens lorsqu'ils voudront le tuer? Let's return to the Holy Spirit. Retournons au Saint-Esprit, vers le Saint-Esprit. Let's allow him. Permettons-lui to have total control, d'avoir le total contrôle of our Christian life, de notre vie chrétienne. Romans 8, 9. Okay, Romains 8, le verset 9. These days, I see pastors when they want to talk about Holy Spirit, they wear white. Ces temps-ci, lorsque les pasteurs veulent parler du Saint-Esprit, ils s'habillent en blanc. Les Benihim, lorsqu'ils veulent parler du Saint-Esprit, ils sont tout en blanc. God help us. Que Dieu nous aide. Amen. Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. You are not following like you read the English from. I know it's distracting you people. The lights are okay. Romains 8. Romains 8, le verset 9. But ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Amen. Can I have the amplifier if you have in the church? Romans 8, the verse 9. But you are not living the life of the flesh. You are living the life of the Spirit. If the Holy Spirit of God really dwells within you, direct and control you. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. He does not belong to Christ. Is not truly a child of God. Amen. That is a serious verse. Ce verset, c'est un verset, c'est très sérieux. Can we listen to it again? Est-ce qu'on peut réécouter? Verse 8. Maintenant. There is something called the assurance of salvation. Il y a quelque chose qu'on appelle l'assurance du salut. You don't need to be a teaching, but you must know you are saved and you are a child of God. Tu n'as pas besoin d'un enseignement sur cela, mais tu dois savoir que tu es sauvé et que tu es un enfant de Dieu. When I received the truth, lorsque j'ai reçu la vérité, the question I asked myself, la question que je me suis posée moi-même, one, did God truly call me to be a pastor? La première question, est-ce que Dieu m'a réellement appelé à être un pasteur? Am I truly having the gift of prophecy? Est-ce que j'ai réellement le don de la prophétie? C'est la question que je me suis posée. I don't know, grace just helped me to ask myself those serious questions. Je ne sais pas, mais la grâce m'a aidé à me poser ces questions sérieuses à moi-même. If you are a child of God, you have never
ask yourself those questions, it's a signal that you are not. Si tu es un enfant de Dieu et tu ne t'es jamais posé ces questions, c'est un signal que tu n'en es pas un. Have you? Also, there another thing that comes to me when I'm there in my mind. Say, what is happening in heaven now? L'autre chose qui me vient souvent quand je suis là, c'est qu'est-ce qui se passe au ciel maintenant? What is God doing now? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? What is God thinking about me? Qu'est-ce que Dieu est en train de penser de moi? Because apart from after all these things, parce que après toutes ces choses, there's one appearance between you and your God. Il y a une apparence entre toi et ton Dieu. What we are talking now is happening to somebody now. Comment nous sommes en train de parler là, ça arrive à quelqu'un. Cette question lui vient. Some are dying now. Certains sont en train de mourir. And when you are leaving the body, nothing matters. So. Lorsque tu sors de ce corps, rien ne compte, plus rien ne compte. But it's not my problem. Women attempt me. When you are dying, ça, c'est mon problème. Les femmes sont en train de me tenter. Naked women. Lorsque tu meurs, tu peux voir your papa no 1000 go. Femmes nues. Tu n'auras pas d'érection. Hein? Tu n'en auras pas. Parce que I don't know, là. But I pray, Pastor, je ne sais pas. J'ai prié, prié, mais. I just default for women. Je ne sais pas, mais c'est les femmes qui me tentent. You are not serious. Tu n'es pas sérieux. Hein? One of our sister in Abidjan, the father was at the hospital, so I have to visit. Une de nos sœurs en Côte d'Ivoire, son père était à l'hôpital, alors je devais aller le visiter. Before I get to the man and his room, avant d'aller dans la salle où ils ont hospitalisé le monsieur, I met a woman that the husband just passed. J'ai rencontré une dame que son mari vient juste de mourir, venait de mourir. And the woman was at the door of that block crying. Et la femme était assise devant le bloc où ils étaient en train de pleurer. Oh my husband. Oh mon mari. I will insult you again. Je ne vais plus t'insulter. He's gone. Il est parti. Oh my husband, oh, oh mon mari, oh mon mari, je ne vais plus t'insulter, je le ferai plus. Mais il est déjà parti. To the dead man. Au mort, non. He's gone. Il est parti. And I entered where they put this man. Et je suis rentré dans la salle où le monsieur a été hospitalisé. There are a lot of sick people. Like in a single room, a lot of sick. C'est comme une salle où il y a beaucoup de malades. If my memory serves me right, it's like there are women also there. Si ma mémoire est bonne, il y avait aussi des femmes là-bas. They miss them. Et ils les ont mélangées. You that take care of yourself. Toi qui prenais soin de toi-même. You are now in the room. Maintenant tu es dans une salle avec des gens. They were all in the certain pain. Eux tous étaient dans une douleur. Chacun avec sa part. Two. Deux. The man was not shy of his nakedness. L'homme maintenant n'a plus honte de sa nudité. I think me that is where I was shy to see. Moi qui étais en bonne santé, j'avais honte de voir la nudité. A life without the Spirit of God, you are la just like vie, une vie sans l'Esprit de Dieu, tu an es juste that is alive and end up in somebody's plate. Comme un animal qui est en vie et qui va terminer dans l'assiette de quelqu'un. We are not our own masters. Nous ne sommes pas nos propres maîtres. This Christian life that God has called us for, there is a pattern for it.
And that pattern must be followed by the help of the Holy Spirit. Cette vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelé, il y a un chemin tracé pour cela, et pour marcher dessus, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Because without the Holy Spirit, we can do nothing. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Your Christian life will be on and off. Ta vie chrétienne sera à entrée et sortie, c'est-à-dire tu vas t'éteindre. Certains n'auront même pas l'allumer jusqu'à avoir l'éteindre. Where is your Holy Spirit? Où est ton Saint-Esprit? Our lack of drive, desire, notre manque de désir ou de faim is as a result of our not touching the Holy Spirit or not allowing the Holy Spirit to influence us. C'est le résultat de nous ne laissons pas le Saint-Esprit d'avoir le contrôle sur nous ou bien de nous toucher. The most neglected thing in the body of Christ or in the church is the Holy Spirit. La personne la plus négligée dans le corps du Christ ou bien dans la vie des chrétiens ou bien dans l'église, c'est le Saint-Esprit. That's why from 20th century going, c'est le pourquoi depuis le 20e siècle jusqu'à là, church leadership is not more by the Holy Spirit, it's by democracy. Le leadership de l'église n'est plus maintenant pas le Saint-Esprit, mais c'est par la démocratie. Churches like the Methodists, les églises comme the Presbyterian, les presbytériennes, les méthodistes, les pentecôtistes aussi, ajoutés aux assemblées de Dieu, ils votent pour sélectionner ou bien choisir le leader. So, the one that is Assemblies of God also, they recently do in Ghana, right? L'assemblée de Dieu aussi fait cela. Récemment, ils l'ont fait ici au Ghana. The most popular man is likely to win. L'homme le plus populaire peut gagner cette élection. So, where we are now, we are in the dangerous time, people. Nous sommes dans un temps dangereux, peuple de Dieu. There's no more the will of God residing in the midst of the children of God. Il n'y a plus la volonté de Dieu qui est au milieu des enfants de Dieu. Some pastors are imposing their children on you. Certains pasteurs sont en train d'imposer leurs enfants sur vous. Sincerely, where I am, I will be very happy and I know God will use them, that God will use my children. Sincèrement, là où je suis, je serai vraiment content si Dieu utilise mes enfants, si Dieu veut utiliser mes enfants. And that's what will happen. Et c'est ce qui va se passer. But I can't impose my children on the church of God. Mais je ne peux pas imposer mes enfants sur l'église de Dieu. I've been saying and I'm saying again, any child of biological child of me to get the spiritual benefit of their father, they must become my children in the faith. Je le dis. They must migrate. Je le dis, je vais continuer from à le dire. Biological children to my children. Tous mes enfants biologiques qui veulent avoir un héritage spirituel, ils doivent migrer de biologique pour devenir mes enfants spirituels, pour en hériter. Clap for Jesus. Acclamez le Seigneur Jésus. So many attitudes are perverting or resisting the will of God. Alors beaucoup d'attitudes sont en train de résister à la volonté de Dieu. Pastor, can woman be? Yes. Pasteur, est-ce que l'homme peut? Oui. These are truths. Voici les vérités. Do you know why Jesus coming delay? Savez-vous le pourquoi la venue de Jésus est en train de tarder?
It's because of human beings. C'est à cause de l'être humain. There are many things that are wrong in life that God is mute on it. Il y a beaucoup de choses qui sont erronées dans la vie, mais Dieu est silencieux dessus. Do you know why God is silent on it? Savez-vous le pourquoi Dieu s'est tu dessus? Who knows why? Who qui le sait? Us? Qui peut nous aider? Pourquoi Dieu est silencieux sur certaines choses qui sont erronées dans cette vie? Uh-huh. Oh, microphone, please. Are we live? Facebook. Mm-hmm. God bless you, Pastor. We attend that God is keeping silent because He has given us the Holy Spirit. Thank you. Thank you. La raison pour laquelle Dieu est silencieux, c'est parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Mm-hmm. If you don't have the Holy Spirit, we'll use someone else to come and talk to you. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, il va utiliser une personne qui a le Saint-Esprit pour te parler. Now, it's up to you to obey or not. Maintenant, cela te concerne maintenant d'obéir ou pas. When he said he will not abandon us. Lorsque Dieu a dit je ne vous abandonnerai pas. It's true. C'est vrai. It's in you. Il est en toi. I think the Old Testament says you shall hear a voice behind you. Et l'Ancien Testament dit vous entendrez une voix derrière vous. And will teach you where to go. Et vous dira où passer, où aller. Why you are buying that thing from the shop? Lorsque tu achetais cette chose dans la boutique. The Holy Spirit can say leave it. Le Saint-Esprit te dit non, prends pas. Hear me. Écoutez-moi. The greatest person in Christ is somebody that have personal loss. God giving personal loss. I don't know. Is it personal loss? This day when you say loss, everybody look at you like. Am I afraid of them? But to the good sense, like for instance, there are restrictions. Il y a des restrictions. Others can do and be free. You can do. Les autres peuvent le faire, ils sont libres, mais toi, tu ne peux pas. The principles. Let me call it restriction. You know, somebody can do something. Quelqu'un peut faire quelque chose. You know, Paul says something we don't understand. Paul a dit quelque chose que nous ne comprenons pas. He said, "I've not taken the grace of God in vain." Il a dit, j'ai pas pris la grâce de Dieu en vain. The same Paul said, le même Paul aussi a dit que tout est permis, but all in all, mais tout n'est pas utile. Useful. There is another kind of life with the Holy Spirit that. You can't. Il y a un autre type de vie avec le Saint-Esprit qu'il y a certaines choses tu ne peux juste pas le faire. That is where the hunger for God carry you to. C'est là où la faim pour Dieu t'amène ou bien te conduit. The issue between me and my wife is not my husband. Who are you talking to? Le problème entre moi et ma femme ce n'est pas à mon mari à qui tu parles, ma femme tu parles avec qui? I cannot anymore. Je ne peux plus le faire. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? No, please. Let's grow to that side. Grandissons à ce niveau. Ou bien allons de ce côté-là. You have a question? Pass the microphone. This week. Cette semaine, we limp from where we are to the spirit. Nous allons aller de là où nous sommes, nous allons pour aller dans la présence de Dieu. Yeah, go ahead. God bless you, Pastor. Que Dieu vous bénisse, Pasteur. You just said something. Vous venez de dire quelque chose qui est vrai. When you have that anger for God, lorsque tu as cette faim pour Dieu, it's true there are certain things you are not permitted to do. C'est vrai qu'il y a certaines choses que d'autres font, mais toi, tu n'es pas permis à faire cela. But by experience,
par expérience, I've been hearing people saying, j'entends les gens dire, oh, this is your covenant between you and God. It's not the law that you have to preach. Voici, ok, ça c'est entre toi et Dieu. C'est l'alliance que tu as entre toi et Dieu. Donc tu ne dois pas le prêcher aux autres. But I believe that if we have the drive of the Holy Spirit, mais je crois que si nous avons ce désir là pour le Saint-Esprit, the restriction, as you said, should have been common. Les restrictions seront communes. Bien sûr, sera la même chose pour chacun. But today, let me help your point. Je vais t'aider. Pastor, Paul said, follow me as I follow Christ. Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. He can tell them, okay, obey the scriptures. Il pouvait leur dire, obéir au commandement, à l'écriture. Even though I'm giving you scriptures, but I live beyond that. Même si je vous donne l'écriture, moi je vis au-delà de ça. Alors soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul said, the level I am now, Paul a dit, le niveau à laquelle je suis, I've moved, j'ai quitté là. That, you see, when there was no law, there's no sin. Lorsqu'il n'y avait pas de loi, le péché n'existait pas. Paul said, the law rather make me a sinner. Et Paul a dit, c'est plutôt la loi qui m'a rendu pécheur. There's a confidence I want God to put in us. It does not matter the witch that is manipulating. Il y a une confidence que je désire que Dieu met en nous. C'est, peu importe les sorciers ou bien sorciers qui nous dérangent. The spirit life. La vie de l'esprit. If we mind you, we mind you for your soul. Si on te considère à cause de ton âme. When I came, I live here and come here. Lorsque je suis venu ici là-bas pour arriver ici, when I came here, I asked God, have mercy on me. Toutes les discussions qu'on a fait là-bas, arrivé, j'ai demandé à Dieu la miséricorde. I've used a vain word. Parce que j'ai utilisé des paroles vaines. I didn't read the Bible. Je n'ai pas lu la Bible. But the spirit of God. Mais l'esprit de Dieu en moi. Put it on my chest. L'a mis sur mon cœur. And I learned and said, God, I use vain words. Et je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, j'ai utilisé des paroles vaines. Vain words is not necessary. Les paroles vaines, ce n'est pas like sexual defiling words. Nécessairement les paroles sexuelles qui souillent. You speak, but you don't use the correct word. Tu as parlé, oui, mais tu n'as pas utilisé les bonnes paroles. It's the Holy Spirit who holds you on. C'est le Saint-Esprit qui t'arrête sur le point là. It's not another brother. You are not talking about. Ce n'est pas un frère qui va te dire non. Tu parles de la mauvaise façon. Kindergarten. En secret, il te tient. Toi et lui. Something happened. Quelque chose s'est passé. I wrote something in the group today. J'ai envoyé quelque chose dans le groupe aujourd'hui. I have a text message now. J'ai un message tout de suite. If I read it for you. Si je vous lis cela. I was afraid that thing I wrote into the group, I didn't know going to think I'm needed something from them. J'avais peur que ce que j'ai écrit dans le groupe, ne vont-ils pas penser que j'ai besoin de quelque chose Some de leur part anyway. Certains ont ignoré. Nobody say anything. Et personne n'a rien dit. It's Harry who gave me 200. C'est le pasteur Harry qui m'a donné 20 000. But Pastor Christian take the same thing. Mais le pasteur Christian a pris le même message et il l'a posté sur Zoom. Somebody send me a message. Quelqu'un m'a envoyé un message. C'est pasteur. Il a dit, pasteur, God told me, Dieu m'a dit that to rent you a car for this week, de te louer une voiture pour cette semaine. I didn't listen. Je n'ai pas écouté. And the person say, Pastor, forgive me. Il a dit, pasteur, pardonne-moi. If your way pleases the Father, si tes voies plaisent au Père, your desires, tes désirs become his responsibility, deviennent sa responsabilité. Amen. Do you understand? Vous comprenez? It was a law given to somebody me I didn't know. C'est une ordre que le Seigneur a donné à quelqu'un que moi je ne savais même pas. So he said, don't be like the Gentiles. Et il a dit, ne soyez pas comme les païens. Who think about those things? Qui pensent à ces choses. You. Mais toi. Seek the kingdom. Cherche premièrement le royaume. He said, before et sa justice. Pray, you know what you avant need. Même que vous ne priez, je sais de quoi vous avez besoin. So then, what's the lesson I learned? Alors, qu'est-ce que j'ai appris par là? Quelle est la leçon que j'ai appris? If we are all hearing the Holy Spirit, none of us will have problem.
Si nous tous présents ici, nous écoutions le Saint-Esprit, aucun d'entre nous n'aura de problème. I will not covet your shoe. Je ne vais pas convoiter ta chaussure. You will not covet my bag. Tu ne veux pas convoiter mon sac. I will give rightly. Je donnerai juste. And on time. Et à temps. So the Bible says, live by the Spirit. Alors and la Bible be free dit, from what? Galatians 5, 16, right? Yes. For the desire of the flesh. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Now, the desire of the flesh is what the law is telling us not to do. Les désirs de la chair, c'est ce que la loi nous dit de ne pas faire. So if I live by the Spirit, alors si je vis par l'esprit, it's no more the laws. Ce n'est plus la loi. It's a relationship work. Mais c'est une marche de relation. So I even say, alors levé dit, je tiens la main. Jésus tient ma main en marche. Et je lui confie ma vie. It's no more about the laws. Alors ce n'est plus par rapport à la loi. It become a life you are. Mais cela devient une vie que l'on vit. Anybody that come around your atmosphere, toute personne qui vient dans ton atmosphère, see life. Il voit la vie. And that's the expression of the Zoe life. Et voici l'expression de la vie Zoé. Show me when is it written in the Bible. Montre-moi c'est où ils ont écrit dans la Bible. You are still back. Tu es toujours en arrière. Tu es toujours là-bas. Oh yeah, this thing you are telling, you are saying, the Holy Spirit told me long time. That's supposed to be. Oh, ce que tu es en train de dire, le Saint-Esprit me l'a dit longtemps. Ça devait être notre réponse à chaque fois qu'on nous parle. Oh my sister, please, can you help me with something? Oh ma soeur, peux-tu m'aider avec un mi-franc? Oh, le Saint-Esprit m'a dit que lorsque je serai à l'église, de te donner telle somme. Ça devait être notre vie. I look at Samuel concerning Saul. J'ai observé Samuel concernant Paul, Saül. They were looking for the donkey. Ils cherchaient les ânes. And they saw there's a seer here. Et ils ont dit, il y a un voyant ici who show us where the donkey qui va is. Nous montrer là où les ânes se trouvent. People, peuple de Dieu. Some things certaines choses is God design movement that certain things happen around you and to you. C'est le design de Dieu que certaines choses se passent autour de toi et sur toi. They were looking for donkey till ils étaient en train de chercher des ânes. They entered the town that Samuel would be coming. Jusqu'à ce qu'ils ne rentrent dans la ville où Samuel devait arriver. And Saul must go out with that slave that have a certain belief in the ministry of Samuel. Et Saül devait y aller avec ce serviteur qui a une croyance en l'homme de Dieu. You are not in oasis of God because you decide. Tu n'es pas à oasis de Dieu parce que tu l'as décidé. God knows why. Dieu sait le pourquoi. Even you on Facebook. Même vous qui nous voyez sur Facebook. Now they say there's a seer. Et là on dit il y a un voyant. Let's go and see him. Alors, on le voit. Where the donkey is. Et il va nous dire là où se trouvent les ânes. By the time you take 2 to 3 days looking for a donkey, you go home. Ah, au moment où tu as pris 3 jours à chercher des ânes, tu devais retourner à la maison. Donkey na plane. Ah, âne là, c'est avion. And those days, there are many donkeys. Et en ces temps-là, il y a beaucoup d'ânes. God's desire is for you to seek him. Le désir de Dieu pour toi, c'est que tu le cherches. When we talk about the hunger of God, lorsqu'on parle de la faim pour about Dieu, that desire that is always after him. On parle de ce désir-là qui est tout le temps à la recherche de lui. When they got there, et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, the slave said, we have nothing to give him. Le serviteur a dit, nous n'avons rien à lui donner. No, Saul said that. Saül a dit, nous n'avons rien à lui donner. So comme offrande. Some bread or something. Elle a dit, oh, j'ai quelques pièces avec moi. You that have a Christian life of not giving. Toi qui as cette vie chrétienne de ne pas donner, you will never enter into your prophetic destiny. Tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée prophétique.
Like this week, comme par exemple cette semaine, the people who helped me to have that car, ceux qui m'ont aidé à avoir cette voiture, any acceleration to ministry, toute accélération pour le ministère, is to their blessing. C'est pour leur bénédiction. The bread, le pain, was not powerful, n'était pas puissant. Bang, let's carry this small bread to him. Ok, alors apportons-lui ce peu que nous avons. Now, the lesson is here. La leçon est située ici. Is it for Samuel to eat? Est-ce pour Samuel qu'il mange? Most of the things you give to us, we use it to help others. La plupart des choses que vous nous donnez, nous l'utilisons à aider les autres. So Samuel, because he came to sacrifice, there are a lot of people there. Alors Samuel, comme il est venu sacrifier, il y avait beaucoup de personnes autour. That will be feeding with bread. Qui doivent être nourris par le pain. And at that time in Israel, the most common commodity is bread. Et en ce moment-là, en Israël, la chose la plus commune, c'est le pain. If you are poor beyond bread, then you are cursed. Si tu es pauvre au-delà du pain, c'est que toi tu es maudit. So bread was the gauge to see whether God is happy with Israel or not. Alors le pain est le gage pour voir si Dieu est content avec Israël ou pas. So when Naomi heard that Bethlehem or Jerusalem has been restored with bread, she returned, she moved from Moab. Alors lorsque Naomi a entendu que Jérusalem a été restaurée, il y avait du pain, elle est retournée. So là-bas. When there's pain, when there's bread, the blé is there. Alors là où il y a le pain, c'est qu'il y a du blé. Why they give the bread? Now someone say, ah, the Lord told me about you. Dès qu'ils ont donné l'offrande, Samuel a dit, ah, Dieu m'a parlé vous concernant. And he give order. Et il a donné des ordres. There's a portion of the meat for him. Il y a une portion de la viande pour Samuel. What led them there? Qu'est-ce qui les a conduits là-bas? The donkey, but the giving carried them to his face. C'était les ânes au départ, mais l'offrande, le don qu'ils ont fait, les a conduits au buffet. Giving introduces you to your prophetic destiny. Le donner te conduit dans ta destinée prophétique. We are not talking about giving. Nous ne parlons pas du don. Who told Samuel that Saul they have never met is coming? Qui a dit à Samuel que Paul, qu'il n'a jamais rencontré, est en chemin? Saül plutôt. And he's very sure he's coming, so they keep a side of the meat for him. Et il était assuré, rassuré que Saül allait venir. Donc ils ont mis la portion de Saül de côté. A child of God must not be confused. Un enfant de Dieu ne doit pas être confus. The counsel of the Holy Spirit is the best. Les conseils du Saint-Esprit sont les meilleurs. May the Holy Spirit be restored into our mind. Que le Saint-Esprit soit restauré dans nos pensées. Amen. Let it be restored into our heart. Qu'il soit restauré dans nos cœurs. Amen. May we be sensitive to it. Soyons sensibles au Saint-Esprit encore une fois. Amen. Yeah, okay. He said, and when Samuel saw Saul, the Lord said unto him, behold, the man whom I spoke of thee of. Sisters and brothers, frères et sœurs, we can't marry wrong. Nous ne pouvons pas nous marier with the Holy Spirit. Par erreur avec le Saint-Esprit. No. Non. Hein? Look at what is happening. Voyez ce qui se passe ici. We can't do a wrong business. Nous ne pouvons pas faire une affaire erronée. The problem is like, we don't want. I was reading something right now. The person said, God's desire for us is the best, but we don't want it. Je lisais quelque chose que la personne a dit. Le désir de Dieu, bien les désirs de Dieu pour nous sont les meilleurs, mais nous ne le voulons pas. He heard and they even discussed Saul. They have never met anywhere, but they discuss him. Hey, people, prepare the food. Ils ne se sont pas rencontrés nulle part, mais Saül a donné des ordres. Hey, les gens, préparez ceci. Pas Saül, Samuel. Samuel
a donné des ordres. Il y a telle personne qui vient garder ceci pour lui. He was not aware. Il n'était même pas au courant. Somebody, very soon you are going to enter some breakthrough like Alléluia, that. Amen. Quelqu'un ici, tu vas rentrer dans une percée Somebody de la sorte. You are going to enter a destiny like tu vas like rentrer that. Dans une vie, dans ta destinée in de la the sorte. Name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of au Jesus. Nom de Jésus. Amen. In the name of au Jesus. Nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Concerning Peter, the Spirit said they should go on a certain street. They should count a house. They should ask about this name. This name. Concernant this Pierre, name called Benedicta. L'Esprit a dit, allez dans telle rue, comptez le nombre de telle maison. Vous allez trouver telle personne. After the presbytery school. Concernant la sœur Benedicta, allant vers l'église presbytérienne, derrière une école, la porte. There are two local dogs. La porte café. In Abidjan, we call it Baoulé dogs. Chien Baoulé. Hey! The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. We rob ourselves. Nous nous sommes volés nous-mêmes. We rob ourselves. Nous nous sommes volés nous-mêmes. Some of you detest someone, they break your heart in the name of. Vous êtes mis en relation avec quelqu'un, on a brisé ton cœur au nom de l'amour. When the Holy Spirit is even holding you, say, lorsque le Saint-Esprit te tient par le col, tu dis laisse-moi, laisse-moi. C'est quoi? Dashim means leave me. Laisse-moi. You tell yourself it is well. Tu vas te dire à toi-même, ok, ça va aller, ça va. Read the 17, like, let's see again. Nous lisons dans 1 Samuel 9, le verset 17. Verse 17. And when Samuel saw Saul, the Lord said unto him, behold the man whom I speak of thee of. This same shall reign over my people. Amen. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. 1 Samuel 9, le verset 17. We are late because where the Holy Spirit spoke about us, we don't go there. Nous sommes en retard parce que là où le Saint-Esprit a parlé de nous, nous n'allons pas là-bas. Where we're supposed to be favored, we don't want to go there. Là où nous devons être favorisés, nous ne voulons pas aller là-bas. The people we should be with. For destiny fulfillment, we don't want it. Ceux avec qui nous devons être pour que la destinée s'accomplisse, nous ne voulons pas aller là-bas. Especially some of us who prophesy. Spécialement certains d'entre nous qui prophétisons. If you are not sincere, you'll be a fool. Si tu n'es pas sincère, tu seras un idiot ou bien un insensé. Do you know that because you have the gift? God will use you for others, but you yourself. Savez-vous que parce que tu as le don, Dieu va t'utiliser pour les autres, mais toi-même, à la fin, tu seras. Because maturity demands that you don't hear for people, hear for yourself. La maturité demande que tu n'écoutes pas pour les autres, mais tu écoutes pour toi-même en premier. The Bible says the spirit of the prophet is subject to him. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. So Pastor Honore will just be doing try and log. You know. What about this one? What about that one? Et le pasteur Honore sera en train de faire essayer voir. Oh, par rapport à celle-là, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à celle-là, qu'est-ce que tu dis? Sammy. You need the spirit of God. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. And the spirit will tell you. Et l'esprit te dira. Look, regarde. She's the one. Elle est cette personne. But talk not. Mais ne parle pas. Go to Pastor Francis' wife to counsel you. Allez vers la femme du pasteur Francis pour qu'elle vous conseille. Pastor Francis was dancing at Doha. Le pasteur Francis était en train de danser à Doha. I had her on phone. Et j'ai eu sa femme au téléphone.
said, Pastor, I know what God told me. Elle, pasteur, je sais ce que Dieu m'a dit. And she cooled down. Elle était tranquille. Open our dancing, dancing. He went back. Le pasteur a dansé là, tourné, tourné. Il est retourné là-bas. They are carrying his baby there now. Maintenant, on a son bébé. Because she heard. Parce qu'elle a écouté, entendu. Hein? And she was patient. Et elle était patiente. Wow. On peut obi peur, on peut obi peur. Midi mi ko quoi? Ben ma bébé oh c'est ça de obi peur obi peur. That your son name is what? Nico? Eh obobi? What does it mean? I nearly call obi peur obi peur. Hey, women. Les femmes. You are hasting, no patience because you don't have the structure of the Holy Spirit. Tu es pressé, pas de patience parce que tu n'as pas la nature du Saint-Esprit. We were Saint John's Mall. On était au niveau de Saint John's. And Pastor Harry came. With some business guy. Le pasteur Harry est venu avec un homme d'affaires. I was just in the car. J'étais dans la voiture. When I saw them, I said, lorsque je les ai vus, brother, j'ai dit frère. What did I even say? I think I spoke to your wife. Or... J'ai parlé à sa femme et dit. It's not that they were dressing yo-yo. Like, c'est pas qu'ils étaient en train de. Something... Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne clochait pas. I didn't accept it. Et que je n'ai pas accepté. Yes. If he will give testimony, you know what happened. S'il va donner témoignage, nous savons, il sait ce qui s'est passé. Because they don't listen to us, the Holy Spirit, and parce they don't want to listen to their pastor. Le Saint-Esprit, voilà. Et ils ne veulent pas aussi écouter leur pasteur. Voilà aujourd'hui, les pots cassés sont là. As you are signed it in the Holy Spirit. Lorsque tu seras en train de signer, le Saint-Esprit te dit, mon fils, stop it. Arrête. Yes. Try it from today. Essaie-le à partir d'aujourd'hui. Try it from your room. Dans ta chambre, essaie. There are days you wake up from your room, the Holy Spirit say, don't go out till this time. Et il y a des jours, tu te réveilles dans de ta chambre, le Saint-Esprit te dit, ne sors pas jusqu'à telle heure. We don't listen. Mais nous n'écoutons pas. You see, it's a school. They have to train you. C'est une école dans laquelle on doit t'éduquer. Because you can't do the big things with him. Tu ne peux pas faire small things, you are not obeying. Tu ne peux pas faire les grandes choses avec lui si dans les petites choses tu n'obéis pas. Especially some of us when it comes to money. Spécialement certains d'entre nous quand il s'agit de l'argent. We don't want to hear him. On ne veut même pas l'écouter. I rebuke that voice. Je reprimande cette voix. Even God say, "He loves a cheerful giver. How am I giving? Why are you forcing me to give?" I rebuke you. Et même Dieu, il aime ceux qui donnent avec restriction. Pourquoi je ne veux pas donner? Je te reprimande. When people want to be selfish, they understand. Lorsque les gens veulent être égoïstes, ils comprennent maintenant la parole de Dieu, l'Écriture. After all, the Bible says you cannot give what you don't have. Ah, la Bible dit, pasteur, la Bible dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, hein? This morning. Ce matin, it's budgeted for something. C'est budgété pour quelque chose. This money, l'argent. L'argent là, oh, y a, c'est dans le compte de quelque chose. Non, ah, je peux pas. Oh. What's the last time you are just driving on your community, you see somebody who will not tell you thank you, and the Holy Spirit say, dash the person, bless the person. C'est quand la dernière fois tu es dans ta voiture, tu passes ou bien dans ton quartier, tu es en train de marcher et tu vois quelqu'un dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit donne telle chose à la personne, mais tu sais très bien que cette personne va. When are you going to give away your car? Quand vas-tu donner ta voiture? Oh pastor, my faith is not there. No. Oh pasteur, ma foi n'est pas là-bas. Non. You are disobedient. Tu es désobéissant.
take your salary and the Holy Spirit say, don't touch it. Tu prends ton salaire, le Saint-Esprit te dit, ne le touche pas. Go to your pastor and tell you what you do. Va avec ton pasteur, il te dira ce que tu dois faire. Say, God, I know what you say already, so God. Oh Dieu, je sais ce qu'il va dire déjà, donc God. Some of you should take a vacation. People on Facebook. Les gens qui sont sur Facebook, c'était donc vous devez prendre les congés. Take a vacation and call me. Tu dois prendre congé et tu m'appelles. Pastor, those your villages, I want to spend 2 weeks. Pasteur, ces villages où tu vas là, je veux passer 2 semaines là-bas. That one, they will never accept it. Ça, ils vont jamais l'accepter. These days, we have cameras in our house because we know that we are not wired to receive from the Holy Spirit. Ces jours-ci, nous avons des caméras dans nos maisons parce que nous savons que nous ne sommes pas connectés pour recevoir du Saint-Esprit. Des caméras de surveillance. That one day, you know, okay, let me help myself. Oh, je vais m'aider moi-même. The truth is that development and civilization is reducing the presence of God in our life. La civilisation est en train de réduire la présence de Dieu dans nos vies. And that's the truth. Et c'est ça qui est la vérité. And some people use their mouth to bring you out of the presence of God. Et certains ont utilisé leur bouche pour te faire sortir de la présence de Dieu. Ah, be there. Sois là-bas. Be there, say God will do it. Tu es là, Dieu le fera. Ok, reste là-bas. Heaven help those who help themselves. Ah, le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. And that word is not biblical. Et cette parole, cette phrase n'est pas biblique. Actually, it's the opposite. C'est le contraire même de ce que la parole de Dieu If dit. You can't help yourself, God will not help you. Si tu pouvais t'aider toi-même, Dieu ne t'aidera pas. And they say, if you carry the thing on your, Ils disent souvent que lorsque tu le mets au niveau des genoux, that God will, Dieu le mettra sur ta tête. So people are building a good relationship with the Holy Spirit till those words come and break it. Certaines personnes sont en train de construire une bonne relation avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que telle personne est venue avec ses phrases. That's what Sunday I was telling Honoré that. C'est pourquoi le dimanche je disais au pasteur Honoré que while you are going through your desert time, you don't show face everywhere. Lorsque tu passes par ton temps de désert, tu ne te montres pas partout. You hide. Tu te caches. Hein? You hide. Tu te caches. There are places if I go now, I will be the subject matter. Il y a des endroits, si je mets pied là-bas, maintenant je serai le sujet principal des discussions. Whatever they are doing, everybody will watch me. Tout ce qu'ils seront en train de faire, tout le monde va se tourner vers moi. If you go there, they'll have stoned me. Mais des fois, si je pars là-bas, ils allaient me lapider. The Holy Spirit will lead you not off the time, but on time. Que le Saint-Esprit ne te conduit pas hors du temps, mais sur le temps. So that desire of the Spirit must be great in us. Alors cet désir, bien ce désir du Saint-Esprit doit être plus grand et profond en nous. Those who are led by the Spirit of God, they are the children of God. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. So let's go to the Amplify, Romans 8:9. Romains 8, le verset 9. Somebody, you are living here to go and seek him. Quelqu'un, tu quittes ici pour aller le chercher encore davantage. You are leaving him to go and feed on him. Tu quittes ici pour aller te nourrir davantage de lui. Some of you are married women who don't read Bible. Ceux d'entre vous qui épousez les femmes qui ne lisent pas la Bible. Trouble for you. Tu auras des problèmes. Some pastors' wives forget that they read Bible. Certaines femmes de pasteur oublient qu'elles lisent la Bible. There's one pastor wife here. What I'm talking, yes. Pastor, move. Don't be. Il y a une femme de pasteur. Quand je parle de pasteur, faut sauter les tableaux à avancer. She wear glasses, you know. Elle a porté des lunettes. Pastor, you move quickly. Oh, pasteur, faut sauter les tableaux avant. Passe rapidement. You don't understand, eh? You don't understand. Tu ne comprends pas. Yeah, some more. It is well. Tout va bien.
Even some pastors wake up and forget to read Bible. Même certains pasteurs se réveillent oublient qu'ils lisent la Bible. Their Bible in church. Il y a certains pasteurs qui oublient même leur Bible à l'église. But not their purse. Mais pas leur portefeuille. Some come to church without Bible. Certains viennent même à l'église sans Bible. I think one of them I opened his boot and I saw Bible. I said, hey. L'un d'entre eux, j'ai ouvert son coffre, le coffre de sa voiture, j'ai vu la Bible dedans. So the Bible to be visible, they put the Bible in the boot. Au lieu que la Bible soit visible, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. To be more secure. Pour que la Bible soit sécurisée. Something that happened to Pastor Noel. Il y a quelque chose qui est arrivé au Pasteur Noël. He bought a phone. Il a acheté un téléphone. You know, I've been telling you people that some swapping phone is not righteous. Je vous dis que les téléphones d'échange là, c'est see, pas. The reason why I say, well, maybe a pastor, because the Holy Spirit not to talk to. C'est au pasteur, c'est au pasteur, pasteur. C'est parce que le Saint-Esprit ne te parle pas. Pastor, they be everything. Oh, pastor, toutes choses, il dit, oh, toutes choses. The Holy Spirit non, they talk to you. Parce que le Saint-Esprit ne vous parle pas. Pastor Ado is an evangelist of swapping phone. Le pasteur Ado, c'est un évangéliste d'échange de téléphone. Are you stop now? So this pastor also did that buying those second-hand phone. Alors ce pasteur est parti acheter téléphone de deuxième main. But the phone was for somebody they robbed. Alors que le téléphone appartenait à quelqu'un qu'ils ont volé. There's this security unit in la Côte d'Ivoire. They are dread and terrible. They call them PJ, la PJ. Et en Côte d'Ivoire, il y a ces hommes de sécurité qu'on appelle la PJ. Eux, ils sont vraiment sérieux. Them, quand tu les vois, they can even drug, but ils peuvent security, man. Ils peuvent fumer, mais ils sont de sécurité. They look bad to catch the bad. Leur apparence, vraiment, ils sont de mauvais garçons pour arrêter les mauvais garçons. So they were, I think they say, they were they know all of us. Ils nous connaissent tous. And they were checking, and they call him Pastor. I saw Pastor Philip there. So they told him that okay, he should come. Et on l'a appelé, on dit de venir. While he was going, lorsqu'il allait, that's why I'm be telling my pastors, please. C'est le pourquoi je dis tout le temps à mes pasteurs, je vous en prie. Don't be casual. Ne soyez pas cachotier. You know, everybody does not have faith. Tout le monde n'a pas la foi. Look pastoral. Sois pastoral. If you have a Bible, if your own is big, carry the small one at least. Si ta Bible est grosse, prends le petit. When he was going, he dressed well. I think he carried his Bible. Lorsqu'il allait, il s'est bien habillé. Il a pris sa Bible. Call another pastor. Il a appelé un autre pasteur. Allons-y. They said this issue. A dit ce problème. They robbed the person. Ils ont volé le téléphone quelque part. According to the law of the Ivorians, selon la loi ivoirienne, if you are not the one who robbed, but you bought that which was robbed, prison straight. Si tu n'es pas celui qui a volé le téléphone, mais toi tu l'as acheté, tu vas en prison direct. A week to his wedding, huh? Une semaine avant. Or 2 weeks. Deux semaines avant son mariage. A week. Une semaine avant son mariage, plutôt. And where they talk, they say. For the Bible that is in your hand. Et ce qu'ils lui ont dit, c'est à cause de la Bible qui est dans ta main. And the man know Pastor Abraham too. Et le monsieur connaissait le pasteur Abraham. That as we grab you now. Dit, comme on t'a arrêté maintenant là. Straight to prison. Tu devais aller directement en prison. When it happened like that, you say, this witch break these people they are wedding. Central first. A deaf and dumb person will question you to talk. Un sourd-muet va te poser des questions. Que toi tu parles. A Ivorian's way of. La façon dont les Ivoiriens font leur sécurité là. French people they don't play. Les Français ne s'amusent pas. De ma sécurité. Leur affaire de sécurité. When Togo soldiers slap you, quand un soldat togolais te gifle, tu vois des étoiles. I told you that guy who stole us, who was saying everything, said no. Il y a un frère qui nous avait volé, on disait non. C'est le one police
was coming to church in Togo. Il y avait un gendarme qui venait à l'église chez nous au Togo. Et on he l'a just appelé. Come and walk like this. Il est venu, il a marché de la sorte. Who is the thief? Où est le voleur? C'est qui le voleur ici? Are you the thief? C'est toi le voleur? The guy got out. Where's my sister? Où est ma soeur? Quand la giflé, j'ai ma grand soeur. Ma grand soeur. Ma grand soeur. Ma sister. Hein? Like, Ejaraba. He was c'est mad. Comme s'il était devenu fou. I don't know whether they train them how to slap. Ah, on les éduque pour ça. We were doing everything for this guy to talk. On faisait tout, mais le monsieur ne voulait pas parler. Ce jeune homme ne voulait pas parler. They will slap like they take hammer. On te gifle, c'est comme si avec une marteau on t'a giflé. Il a commencé par crier, ma soeur, ma soeur. But for his Bible. Mais c'est à cause de sa Bible. You see, what you are holding le policier lui dit, c'est à cause de la Bible que tu tenais à la main. Sinon, la prison directe. They say because you are pastor too, we can't handcuff you. Et on lui a dit, parce que tu es un pasteur, on ne peut pas te menotter. Can you imagine he went there wearing some jeans? Imaginez qu'il est parti là-bas avec, en jean avec une t-shirt. Un t-shirt. We were having a Nigerian guy, you know, il y avait that guy who un Nigérien. When we were at Malcolm. Lorsque l'église se trouvait derrière Malcolm, on avait un Nigérien à l'église oh, qui avait des tatouages. Police catch him. Les policiers l'ont arrêté. Ah, he called me. Il m'a appelé. Pastor Philip. Pastor Philip. So. I went to the police station. J'étais parti. Church member is à station de police parce qu'il y a un fidèle de l'église qui est dans les problèmes. You know what the police told me? Savez-vous ce que le policier m'a dit? Say, look at the way he dress. Regardez comment il est habillé. Look at the tattoo on him. Regardez les tatouages sur lui. Look at the car he is driving. Regardez la voiture qu'il conduit. Say they will always suspect him. Donc on va tout le temps le suspecter. When they stop his car. Lorsqu'on arrête sa voiture. The first thing they go to his purse. La première des choses qu'il fouille c'est son portefeuille. And they saw fake money in it. Et ils ont vu des faux billets dedans. I think fake dollar or something. $50. He say you he dress that way driving. You know he have some cabby some way. Il est habillé d'une façon, il a une voiture et il jouait en une musique en haut volume dans la voiture. C'est pasteur. Il dit pasteur. We will, the way he, we always stop la him. Façon dont il est habillé, ce qui on va tout le temps le suspecter. So you have those things on you and you are playing loud music. Et tu as les tatouages sur toi, c'est toi qui joues la musique à fond dans la voiture. The Holy Spirit when he instructs you, just listen. Lorsque le Saint-Esprit te donne des instructions, obéis seulement. Have you broken something that the Holy Spirit tell you be careful of? As-tu déjà brisé quelque chose dont le Saint-Esprit t'avait averti, fais attention à telle chose et tu l'as brisé? Yes. You know that thing is so painful. If it doesn't pay you, then you are lost. Ça fait mal. Si cela ne t'a pas fait mal, c'est que tu es perdu. On t'a averti, mais tu as quand même brisé la chose. No, ne le fais pas. Oh, je vais le faire. Especially ne le fais pas. Car. Spécialement la voiture des gens. Say, don't ask. Ne le demande pas. No, we think now. Oh, c'est quoi même? C'est quoi? Oh. Prince Boro, Barbara's car. Prophète Prince a prêté la voiture de la sœur Barbara. And he truly borrowed the car. Et il a réellement and prêté the car la voiture. Borrowed him. Et la voiture aussi l'a prêté. Daddy, le jour là, Barbara Santi. And this guy do use my name to take the car. Et ses frères ils utilisent mon nom pour prendre la voiture. I learned my lesson. J'ai appris ma leçon. In my face, devant moi, there, said, j'étais là, j'ai dit, hey, who is buying pastor's car? Qui est en train d'acheter la voiture du pasteur? Ma bravo. This political. My shader. Who's buying my car? Qui achète ma voiture? Qui est en train d'acheter ma voiture?
Wajibi, oh, wajibi. Hey. So priest borrowed the car. Alors prophète Prince a prêté la voiture de Madame Poé. There's something that will leave you. Il y a quelque chose qui va te quitter. People who have temper, normally they will punch the car. Ceux qui sont colériques, ils vont, the Holy Spirit told you, ils vont taper sur la voiture parce que le Saint-Esprit t'avait parlé, mais tu n'as pas écouté. Oh, Jesus, I'm just taking it to do something. Non, 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 je vais faire quelque chose ici. Avant que tu ne saches, collision. Your car is Toyota. Ta voiture, c'est Toyota. And you want to hit Benz. Et tu es parti cogner Benz. Problème. So, I saw one video. J'ai suivi une vidéo. This guy was on keke. Le frère était sur vélo. And hit a Range Rover. Et il est parti cogner une voiture Range Rover. He was talking. Et il parlait. Il faut buy for me, il faut buy for me. Ah, tu dois m'acheter ça, oh. Tu dois m'acheter mon vélo. The guy said, okay. Et le frère dit, ok. How much now? C'est combien? He called the money. Il a mentionné la somme. So send something for his keke. He said, okay, you to come. Elle dit, ok, envoyez-lui l'argent de son vélo. It was boiling. How much? How much? Il bouillonnait, you bouillonnait. You pay mine, I'll pay yours. Si tu payes pour moi, je paye pour toi. So he called his mechanic or somebody. Il a appelé son mécanicien. When they called the money. Quand on lui a mentionné la somme. The people were encouraging him to they should buy it. When they hear him, everybody was leaving. Ceux qui l'encourageaient que on doit lui acheter son vélo, tout le monde le quittait. Quand il a appris la somme qu'il devait payer pour la réparation de la voiture. He had to even sell himself to buy that thing. Il devait se vendre lui-même pour pouvoir acheter cette pièce qu'il a. Hearing the voice of the Holy Spirit, gâté. He give us peace. Écouter la voix du Saint-Esprit nous donne la paix. You don't go through the things you are going through. Tu ne passeras pas par les choses dont tu passes présentement. If Holy Spirit give you a wedding date, there will not be any man called Philip that will stop it. Si le Saint-Esprit te donne une date de mariage, il n'y aura pas un homme appelé Pasteur Philippe qui va l'arrêter. It's true. C'est vrai. But since it's not the one, mais comme c'est lui, pas lui. Me and the Holy Spirit, you don't choke him. Moi et le Saint-Esprit, nous sommes venus bloquer l'accès. If you like, speak like a cat. Meow. No, it's simple. Si tu veux, fais tout ce que tu veux. C'est you simple. Just obey the Holy Spirit and you are free. Tu obéis au Saint-Esprit et puis tu es libre. When you are stubborn with the Holy Spirit, lorsque tu es têtu avec le Saint-Esprit, the Holy Spirit will anoint a man. Le Saint-Esprit va oindre quelqu'un to deliver you. Pour te délivrer. Some deliverance, you don't ça va sortir de floor. Certaines délivrances, tu ne vas pas rouler par terre, non. Even when you go to poop, blood comes from your anus. Même quand tu vas aux toilettes, tu ne fais que chier le sang. You are eating rice like salad. Tu manges le riz, on dirait que c'est la salade. You don't know. Tu ne sais pas. When you wake up, lorsque tu te réveilles, your moustache, tes moustaches will ask you, how are you? Vont te poser la question, comment vas-tu? You don't know. Tiens! Tiens, mon cochon! Tiens! Tu vas souffrir fatigué. If not, you go just suffer. Si ce n'est pas le cas, tu vas juste souffrir si tu ne veux pas écouter. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. Let's read. There are some of the things you are doing. Certaines des choses que tu fais. To be saved. Pour être sauvé. Holy Spirit. Cet esprit. Am I on course? Am I doing well? Est-ce que je fais bien? If you receive correction there. Si tu reçois la correction de sa part. It's not going to be public. Ça ne sera pas public. But when he's also Odeshi. Mais quand il parle, tu dis non. Odeshi. Non, c'est pas ici. Odeshi. C'est pas ici. When they mean you. Lorsqu'on te serre la gorge maintenant. J'aime ça, la gorge. Mm. Have you seen a stubborn dog doing the thing? And there's some people who are lefty. When they throw stone at dog, they don't miss it. Yes, the dog receives.
Il y a certaines personnes qui sont gauchers. Quand un chien est en train de déranger à boire, quand on lui lance la pierre, c'est là maintenant il crie et puis il fuit. Life bitterness. Even if you put cold water on yourself, you see smoke coming out of you. L'amertume de la vie, même quand tu verses de l'eau glacée, tu vois la fumée qui sort. Les problèmes maritaux, les cœurs brisés dans ça. Tu es sous ventilo, mais tu transpires. Tu vas perdre l'appétit. You'll be anemic. Tu seras anémique. You are growing lean, but you say no. You yourself say no. Tu maigris, mais toi-même tu dis non. Ce n'est pas moi. When people sleep, you don't sleep. Quand les gens dorment, tu dors pas. J'en sais quelque chose. When you are awake, you are troubled. Quand tu es éveillé, tu es troublé. I've been there before. J'ai été là-bas. I don't wish for anybody. Je ne le souhaite pour personne. There's somebody here. Somebody tell me. He see Paulina. He call Paulina. Mama Paulina. Il y a quelqu'un ici. Quand on lui a brisé le cœur, elle a vu la sœur Paulina. Elle a dit maman. Madness. Bibi Yenu. La folie vient sur toi en même temps. Mama Paulina. Tu deviens fou. He's calling Paulina mama. Cette personne à cause du goumet. So Paulina is just my son. My son. La sœur Paulina aussi dit ah mon fils. Ça va aller. Dieu est fidèle, ça va aller. Father, you are anointed. My son. Mon fils. Baby, careful. And yes, you. C'est pas facile. Histoire de cœur brisé, c'est pas facile. One day we sit in one garden. Un jour, nous allons nous asseoir dans un jardin. And play some of you your life. On va jouer la vie de certaines personnes en vidéo. So the person does not call Paulina, sister Paulina, ma Paulina. La personne n'a plus appelé, n'a plus dit la sœur Paulina. Elle a dit ma Paulina. On te l'a appelé. Je ne savais pas, mais quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit ah, c'est toi-même qui vas raconter. La personne c'est Paulina, ma Paulina. Quand la personne a vu la sœur Paulina, elle a dit oh ma Paulina. Ouais. This God, let's serve him. Ce Dieu, servons le bien. C'est pas facile. Read the scripture, let's live here. Nous allons lire Romains 8, le verset 9. At least I made you laugh. Au moins, je vous ai fait rire. Yeah, read it. 8, 9. Romains 8, le verset 9. Romans 8, verse 9. But you are not living the life of the flesh. You are living the life of the spirit. If the Holy Spirit really dwells within you, he directs and controls you. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, pay attention to that word. Prêtez attention à ce mot. But you are not living the life of the flesh. Mais vous ne vivez pas la vie de la chair. You are living the life of the Spirit. Vous vivez la vie de l'esprit. If the Holy Spirit of God really dwells within you, he directs and controls you. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. He does not belong to Christ. He is not truly a son, a child of God. Amen. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est lui qui va vous guider. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas enfant de Dieu. Amen. So let's go to if anyone. Nous allons aller à si quelqu'un. If the Holy Spirit of God really dwells within you. If the Holy Spirit really. Si l'Esprit de Dieu habite réellement en vous. If the Holy Spirit really dwells in you. He directs and controls you. Il va vous contrôler et vous guider. So question. Voici la question. Whatever we are doing. Tout ce que nous faisons. Is he Holy Spirit directed? Est-ce le Saint-Esprit qui guide cela? So because he said if he's really living in you, he will direct and control you. Parce que la Bible nous dit si réellement il habite en vous, il va vous guider et vous contrôler. So anyone that have a free life
It's a sign that you don't have the Holy Spirit. Alors toute personne qui a une vie libre, c'est un signe que tu n'as pas le Saint-Esprit. The amplifier says if he really dwell in you. L'amplifié dit s'il habite réellement en vous. He will direct you. Il va vous guider. Not only directing, pas seulement guider, mais il va aussi vous contrôler. Mm-hmm. Which way of your life are you controlled by the Holy Spirit? Quel côté de ta vie est contrôlé par le Saint-Esprit? See, if it's really in you, si réellement il est en vous, he will direct you, il va vous guider and control you. Et il vous contrôlera. See, there's a problem in the body of Christ. Il y a un problème dans le corps du Christ. When the Holy Spirit want to direct you, we think that okay, that's slavery. Lorsque le Saint-Esprit veut nous guider ou bien nous conduire, nous pensons que c'est de l'esclavage. Controlling you meaning that it will be against your desire. Te contrôler veut dire il sera contre tes désirs. You will not have your free will. Tu n'auras pas ta liberté. It is truly really in you, si said the Bible. Il est réellement en toi, dit la Bible. I know this 21 days, some of you there are days you didn't fast, but did you take it easy? Was it easy with you? Je sais que ces 21 jours, certains d'entre vous, vous n'avez pas réellement jeûné. Est-ce que c'était facile pour vous? Vous étiez libre? Know you not respond because c'est que vous n'allez pas répondre parce que you know, pastor will catch me. Vous savez que le pasteur va vous arrêter. I just know my church. Je connais mon église. When you ask this question, the person will answer it so that you don't think this way. Si tu poses cette question, la personne va répondre d'une façon pour que tu ne penses pas autrement. That's one day we came late. Et un jour, nous sommes venus en retard à la première prière. The people who are carrying the car, they bought bread. Ceux que j'ai avec moi dans la voiture, ils ont acheté du pain. The car I was driving, the time was not correct. La voiture que je conduisais, le temps n'était pas bon. It was 6 o'clock in the car. Il était 18 heures dans la voiture. So I told them that, et je leur ai dit, it's 6, so if people want to eat the bread, you can. Il est 18 heures, si vous voulez manger le pain, vous pouvez manger. People cut it from my back, sad way. Les gens déchiraient le pain de gauche à droite. You see, people are bad. Ouais, les gens sont mauvais. Pastor Guedia, le pasteur que lui, il était déjà à moitié chemin. I came to the church and saw that people are still praying. On est arrivé à l'église, j'ai vu que les gens étaient en train de prier. And Sammy was not watching time. Et le pasteur Sammy ne regardait pas le temps. So I said, what's the time? Il est quelle heure? It's not 6. Il n'était pas encore 6. Il n'était pas encore 18 heures. Myself, I drink coconut. Moi-même, j'ai bu le noix de coco. Don't say okay, brother. I was deceived. J'ai été trompé. God keep me, oh, these people. Dieu, réserve-moi, vous voyez? God forbid too. Que Dieu ne plaise. Hey, you just want your pastor to sin. Vous voulez que votre pasteur pêche? But in your heart, you'll be troubled. Et dans ton cœur, tu seras dérangé. If you are not focused, si tu n'es pas focalisé, you can't fast the next day. Tu ne peux plus jeûner le second jour. The devil said you spoil the 21 days. Le diable va te dire, oh, les 21 jours, tu as gâché. Water spoil gâché. Ah, comment est-ce que l'eau de coco va gâcher you les 21 jours? Tu dois régler ta pensée. And you don't continue drinking, you off it. Et tu ne vas pas continuer à boire ou bien à manger, mais tu arrêtes jusqu'à ce que l'heure ne vienne. But we cannot lie that there will be something of the spirit that we didn't listen. Like, it's not père à ceux de l'esprit. So for close. This your slippers there, Charlie. Ah, you look like Mauritania. Can you put camera on his leg for me? Hey. See those Megillah who sell
So for other. Read, read. I repent. Read. Repent. Galates 5, le verset 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a du contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Galatians 5:17. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit. And the desires of the flesh are opposed. So there will be a conflict. Il y aura un conflit parce que les désirs de la chair sont contraires. To your desire and that of the Holy Spirit. Alors il y aura un conflit entre tes désirs et celui de l'Esprit de Dieu. But this is what people do. Voici ce que les gens font. That conflict, they quench it. Ce conflit, ils éteignent eux-mêmes. Do you know that it's true that the Holy Spirit will give you a peace. You can create your own peace. That is not Holy Spirit. C'est vrai que le Saint-Esprit donne la paix, mais tu peux aussi te créer une paix, te donner une paix pour pouvoir aller. How to create that peace is to ignore people that can question, can hold you to the voice of the Holy Spirit. Comment éteindre cette voix-là, ce conflit-là, c'est ignorer ceux qui peuvent représenter la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Tu les ignores. Say, why are you not listening? Pourquoi n'écoute pas? Because you know what the person will ask you, so you know have to answer. I don't want to hear. I don't. Parce want to que tu sais ce que la personne va te dire, donc tu, je ne veux même pas l'écouter. Je ne veux pas le rencontrer. It's okay, it's okay, it's okay. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Why are you saying it's okay? Pourquoi dis-tu c'est bon? Because these are the things that hold the conflict between your desire and that of the Holy Spirit. Parce que voici les choses qui tiennent le conflit entre tes désirs et les désirs du Saint-Esprit. That's where you should be repenting. C'est là où tu devais être en train de te repentir. But with carnality, we create a mechanism. Mais avec la chair, nous créons un mécanisme. So that we don't hear. Pour ne pas écouter. That's why people who want to be wrong, they come out of relationship with godly people. C'est le pourquoi ceux qui veulent aller dans l'erreur, ils sortent des relations avec ceux qui sont pieux ou bien ceux qui sont avec Dieu. Anybody that will remind him of God, toute personne qui va lui rappeler Dieu, ils vont commencer par haïr la personne. They love solitude. Ils aiment la solitude. Ils aiment la solitude que d'être associés à ces personnes. They don't want to hear anything. Ils ne veulent rien écouter. And with that, with time. Et avec ça, le temps, flesh will bury you well. La chair va bien t'enterrer. And you are gone. Et tu es perdu. That's why you can never hear the word of God and you are tired of it. C'est le pourquoi tu ne peux jamais écouter la parole de Dieu au point où tu vas dire je suis fatigué de ça. You have to hear again and again. Tu dois l'écouter encore finish et encore. It quickly. And the desires of the spirit are opposed to the godless human nature. Amplify tonight there. It's giving a poncho. Godless human nature. La nature pure, bien la nature de Dieu. The desire of the Holy Spirit is against. Les désirs du Saint-Esprit sont contre. So there will be a control. There's a conflict. Alors, il y aura un conflit. It's not easy. Somebody controlling you is taking your desire away from you. Quand on parle de quelqu'un qui te contrôle, cela veut dire il t'ôte même tes désirs. Some say we are making them afraid. Certains disent ah, vous nous effrayez. This is the one we are correcting our children in Christ. They on Facebook and be preaching to us. Lorsqu'on corrige nos enfants en Christ aujourd'hui, ils vont sur Facebook prêcher contre nous. Some of you sort of repenting, you are preaching. C'était dans vous au lieu de vous repentir, vous prêchez. Yeah, same old. This generation. Cette génération. You are afraid of your pastor because of sin. Tu as peur de ton pasteur à cause du péché. Because when we came to the church, it was not like that. Parce que lorsque tu étais venu à l'église, ce n'était pas when comme cela. Adam sinned, lorsque Adam God's avait péché, il a écouté hide. La voix de Dieu, il est parti se cacher. Because you are a sinner, so anything I do to you, you are terrified. You are I'm terrifying the error in your sin in you. Parce que tu as péché, tout ce que je te fais, tu dis ah, tu es en train de me terrifier. Tu es terrifié parce que il y a le péché en toi. Those things you are doing, some of you are doing, you can't do it in my face.
Ces choses que vous faites derrière moi, vous ne pouvez pas le faire devant moi. You see, the Bible says something. La Bible a dit quelque chose. Say, be careful to talk about the king. Elle dit, fais attention de parler mal contre le roi. A bird, un oiseau, will carry it, ira lui rapporter cela. Will tell him. Yes. Oui. Be careful. Faites attention. Husband and wife have problem. Mari et femme ont un problème. They put it in preaching. On le met dans la prédication. Maybe the woman, there's a lady, I'm not calling the country, who give testimony. What do you give testimony? Il y a une sœur, quand elle donne témoignage, tu sais que ah, il y a problème. It's going to a certain brother. Que ah, le message va à un frère. When you hear the testimony, you know that ah. Quand tu écoutes le témoignage, toi-même, tu sais que ah. Il y a problème. Yes. There is a brother who told me that. Il y a un frère qui m'avait dit, un jour il est venu à l'église. A lady in his life was giving, was leading worship. Et il y a une sœur qui était dans sa vie qui conduisait l'adoration. C'est pasteur. Elle dit pasteur. She was leading worship, but she gave a message through the worship. Elle conduisait l'adoration. Mais dans l'adoration, elle a envoyé un message indirect au frère. Le frère est venu dire au pasteur, ah, c'est de moi que la soeur parle. Ah, comment ça? Elle dit, pasteur, je sais. Je sais, pasteur. Certains d'entre vous roulez par terre, c'est un message. Quelqu'un sont en train de rouler par terre, mais les autres... La soeur qui conduisait l'adoration a passé un message. Et le propriétaire a reçu le message. If you don't want to serve God, si tu ne sais pas comment servir Dieu. If you don't want to serve God, si tu ne veux pas servir Dieu. Let me break my heart. Ah, le message, tu dois bien le recevoir. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. The desire of the Holy Spirit contradicts or is against the desire of the flesh. Les désirs du Saint-Esprit sont contre les désirs de la chair. I pray that the Holy Spirit's influence will be restored in our life. Amen. Je prie que l'influence du Saint-Esprit soit restaurée dans nos vies. Amen. Let me give you a counsel. Je vais vous donner un conseil. If you have an issue with a spiritual person, si tu as un problème avec un homme spirituel, and the person have a right over you, et la personne a un droit sur toi, be wise. Sois sage. You are not looking for peace. Repent. Tu ne cherches pas la paix. Réponds-toi. Anything that you do to him, whether knowingly or unknowingly, is for your own evil. Tout ce que tu lui fais, que ce soit en connaissance de cause ou pas, c'est pour ton propre malheur. I heard some statement. They say in Ghana. J'ai écouté, on a dit qu'ici au Ghana, there are laws. Il y a des lois. You think laws? No, you think laws doesn't work in Ghana till the law hold you. Tu vas penser que les lois ne sont pas en activité au Ghana jusqu'à ce que ces lois ne t'arrêtent. A spiritual person may be simple, common in your face till you touch him. He may not do anything, but the God that call him. Une personne spirituelle peut être comme un présent libre devant toi jusqu'à ce que tu ne le touches. Lui, peut-être, il ne va rien dire, mais Dieu ne te laissera pas tranquille. You will not go free. Tu ne seras pas libre. Some people think that because they throw their leg, that's why they are free. Certains pensent que ah, parce qu'ils ont jeté le pied, ils sont libres. You know, there are some police, when they stop you, you know that. If it's not this police thing, meet me in the corner. You deal with it. But for what is worry?
Even police, you are respecting for what is well. How much more a man of God? To talk about somebody who is your father in faith. Les policiers, on les respecte à cause d'être. Maintenant, on parle d'un homme spirituel. On parle là de ton père spirituel. How much more? Combien plus tu respectes le policier? Combien plus ton nom, ton père spirituel? Enough of robbing ourselves for ignorance or for pride and stubbornness. Assez de nous voler nous-mêmes à cause de l'ignorance ou bien à cause de l'orgueil. May we allow the Holy Spirit to direct and control our life. Permettons au Saint-Esprit de guider et de contrôler nos vies. And life will be easy. Et la vie ne sera facile. Did you understand? Avons-nous compris? Because some of the prayers we pray later, parce que certaines des prières qu'on you on fait, realize that if, like, we hear the Holy Spirit, nous allons réaliser que si nous avions écouté le Saint-Esprit au départ, of intimacy, not on devait prier of pour deliverance. L'intimité avec le Saint-Esprit, non pour la délivrance. We should be praying to radiate the love of God and the glory of God. On devait prier pour manifester plus l'amour de Dieu. At what time will you start healing the blind? Quand vas-tu commencer par guérir les aveugles? At what time will you start healing the deaf? Quand vas-tu commencer par guérir les sourds? What about the dead? Et par rapport aux morts, quand vas-tu commencer? When are you going to put yourself into that discipline and practice? Quand vas-tu te mettre dans cette discipline? Maximize the way of the Spirit so that other Christians around you are blessed because of you. Quand vas-tu te mettre cette discipline pour que ceux qui sont chrétiens autour de toi puissent bénéficier de cela? At this point, Oasis of God, à ce niveau, Oasis de Dieu, you don't know who have healing power. Nous ne connaissons pas qui a l'onction de la guérison. Is anybody you healing? People are here. Les gens sont ici. You say Eugenia. Eugenia is no more here. Disons la sœur Eugenia. Eugenia n'est plus là. Non. Sami, your gift to me what? Parce que Sami, c'est quoi ton don? Ah, Nico, they love you. Say if you are laughing, fire will come on you. No, normally where we are now. Normalement, là où nous sommes, know everybody's gift so that, on doit connaître le don de chacun pour que. Do you know that you are taking medicine for something? The Holy Spirit can tell you, stop, go to my son, go to my daughter, let her pray for you. Sais-tu que tu seras en train de prendre le médicament pour une maladie? Le Saint-Esprit te dit, arrête, va vers ma fille ou bien va vers mon fils, on prie pour toi. Et c'est fini. Raise up your hands, monsieur. Lève ta main. Let me see your hands. This is not only for banquo and akpleo. Ce n'est pas seulement pour manger la pâte ou bien le riz. The Bible says we shall lay our hands. La Bible a dit nous allons imposer les mains. On the sick. Aux malades. And they shall recover. Et ils vont retrouver la santé. This is our hand. Who have you laid it on? Nos mains, ta main, sur qui l'as-tu posé? Rabaissons les mains. Why a bonus? Use this hand. Tu as utilisé cette main women. Pour attraper les femmes. Judgment on your hand, il y a jugement sur ta main. If you don't heal people, si tu ne, them si tu ne guéris pas past, les gens comme tu es en train de les presser là, il y a jugement sur la main. We don't go to people at the hospital. On ne va pas vers les gens à l'hôpital. We don't visit prison. On ne visite pas les prisons. We don't. Everybody is a champion in his church. Chacun est champion dans son église. I sent one of our village video to a woman in England. J'ai envoyé une de nos vidéos dans un village à une femme en Angleterre. C'est Pasteur Philippe. Elle a dit Pasteur Philippe.
Who is going to village? Qui va dans les villages? He said the thing do her body some way. Elle s'est sentie d'une façon. The prison, the hospital, the villages. Les prisons, les hôpitaux et les villages. When is the Holy Spirit going to lead you? Quand est-ce que le Saint-Esprit va te conduire? Sisters, les sœurs. When are you going to ask us permission that there's a Udomiabra village B? Quand allez-vous demander permission qu'il y a un village loin quelque part là-bas que je veux aller là-bas? Pastor, the Holy Spirit is leading us. Parce que le Saint-Esprit nous conduit là-bas. It would be better than to be in church. God, I claim my marriage. God, I claim my marriage. Ce serait mieux que d'être dans à l'église et dire Seigneur, je réclame mon mariage. Je réclame mon mariage. The boy you want to marry to be, you are becoming a police around him. Go and do police on the source and bring. Le frère que tu veux marier aussi, tu es devenu policier à côté de lui. Va faire policier sur les âmes. There's a way you serve God. Il y a une façon dont tu sers Dieu. The person himself will say, ah. Quiconque veut te marier, la personne va se dire, ah. Nami washrami. Dieu m'a béni. Look at their faces. Regardez leur visage. They are just the time here for waiting for a man to marry them. Ils sont là, attachant la tête, attendant ce qu'un homme les marie. You can go to a village. Vous pouvez aller dans un village. Why am I watching here? Let me watch here. So, no, it's true. C'est vrai. Abna, Polly, Elvin, Rosina, Celie. You just come and give an announcement and give a hymn song. Tu viens donner les annonces et tu chantes une hymne. The Holy Spirit does not inspire you people for anything. Le Saint-Esprit ne vous inspire plus pour rien, même le groupe musical. This one I want to say, you see what they bring to me. There's no song they have composed by the Holy Spirit. Il n'y a pas de chanson qu'ils composent eux-mêmes. Par le Saint-Esprit. You think Abraham and singing worship? Si compose eux-mêmes, vous allez penser que c'est quelque chose. Non, non, it's true. I come Christians and when you say okay, des God, fois les chrétiens quand vous leur dites, God wants you to do this. Dieu veut que vous fassiez ceci. Open up, pastor. I pray for you. I say, God wants you to write book. Anytime we are talking, say, we are talking one day, say, in his book, I say, open up. Le pasteur dit, ah, Dieu veut que tu écrives les livres. Et à chaque fois qu'il parle de mon livre, il dit, ah, frère, where is it coming from? Ça vient d'où? You know, God know all of you. That's why he give you a pastor like me. Dieu vous connaît tous. C'est pourquoi il vous a donné un pasteur comme moi. Can you imagine you have some mumutious pastor? Imaginez un peu que vous avez un pasteur faible. You fry him. Vous allez le frire. Le fumer, him, le piler. This one, sir, people dribble me. Même dans ça, les gens m'esquivent. Even with this one, people feel they dribble me. Même avec ça, les gens continuent par me dribbler. Il y a un pasteur au Ghana qui a dit, can you rob an arm robber? Comment pouvez-vous voler un voleur? He was shocked they robbed him. Il était choqué qu'on l'a volé. So, choir. Alors, le groupe musical. The Bible says we should sing new songs. La Bible dit de chanter les nouveaux cantiques. Comme je le dis maintenant, you wait and hear a new song. Attendez, vous allez écouter les nouvelles chansons. Wait and hear a new song, you go shock. Attendez, vous allez recevoir les chants, vous serez choqués. It should be inspired by the Holy Spirit. Cela doit être inspiré par le Saint-Esprit. The Bible, your wedding day, you sing a new song, you and your husband. Hein? You sing a new song at your wedding. What about for God? It's for your wife. What's for God? Since that day, you didn't see any new song. When are you? Depuis you and your wife singing duets. Your wife is part chanson. Of the choir. You yourself. Ta femme fait partie du groupe musical et toi-même tu en fais partie. One Sunday, people give us duets. You sing, you pass to Barbara. Le dimanche, vous allez faire un duo. Tu chantes, tu passes à ta femme.
I just imagine your wedding day. Hey, Paulina, I remember something. That Nigeria girl, don't copy her sound, the way she sound in worship. Shemi Shola or Shemi Lola. When I came, I hear you doing it. You don't know him. You know, I asked you send me that audio. Shemi Shola. Shemi Shola. When I came, I hear you twice. Learn, but don't learn. You know, that lady will sing. When I came out here, I said, You know, one of the things you don't know. Et puis j'ai mis l'une des choses que vous ne connaissez pas. I know things so. Je connais les choses. When you are copying somebody. Lorsque vous êtes en train de copier quelqu'un. I know something. Je connais quelque chose. Please. Pardon. It's good to learn. C'est bon d'apprendre. I can't imagine where we are here. Là où nous sommes maintenant. We have seen a lot before. Nous avons vu beaucoup avant d'être là. We are in church. I wish I would play for you. Some of you know that lady, Shemi Shola, Shemi Shola. She sing, but she will sing. Elle chante bien, mais elle chante et puis fait une voix façon. No, man of God. Les hommes de Dieu. Be checking those things. Faut sonder les choses. When the thing doesn't sound well, call them. Lorsque la chose n'est pas bonne, appelez-les. Oh yeah, this one there. Ça, ce que tu as fait là, ça là. Where is it from? Ça vient d'où? One day I was singing in Liberia somewhere. I say, oh na na na, we close now. Mama say, mama's band. Un jour, j'ai chanté quelque part, peut-être au Niger, au Liberia. Quand j'ai fini, ma femme m'appelait et dit, ah, mon mari. Le nanana là. Le nanana, ça vient d'où? Hey, no. It help. Et cela aide. You need people in your life. Tu as besoin des personnes dans ta vie. If not, sinon, one day you'll be singing, say, Rastafara. Un jour, tu seras en train de chanter, puis on entend Rastafara. The things are on YouTube these days. Parce que les choses qui sont sur YouTube aujourd'hui. Non, non, c'est true. So I sing the song. I say oh nana. J'ai chanté la chanson puis j'ai dit oh nana. Eh, ma femme a dit eh, ça vient d'où? Mon mari. That's it. Ça là, ça vient d'où? That day I listened to a lady singing. J'ai écouté une sœur chanter. When they said the nana nothing, that thing took me. Quand elle a dit le nana, ça m'a pris. I carried it to church. Je l'ai amené à l'église. Oh nana. Na. They asked me, say, oh, nanana. Et on m'a posé la question, le it's oh nanana, ça vient vocabulary. D'où? C'est quel vocabulaire? Where is it from? Ça vient d'où? So, yeah, pas mucho. Alors je vous en prie. We learn from others. Oui, on apprend des autres. But let's learn. Mais apprenons ce qui est bien. Who are holy. Les choses qui sont saintes. Can you imagine we come to Paul and singing? Imagine un peu, on vient à l'église, la sœur chante et puis elle fait ça. For you, I wish I have it. She sing well, but those screaming. Elle chante très bien, mais ces gémissements et ces cris. Me they correct me for oh nanana. On m'a corrigé pour le oh nanana. And some of you, Prince, you can copy. Where? Il copie like his own. Le prophète Prince aussi copie très bien. Vous allez penser que ah, c'est lui l'auteur. This lady I'm talking about. Oui. But I saw his in signature with you. Yeah. So please. Harry, I'm not mentioning you. Harry, you can copy. Pastor Harry aussi peut copier. And he will copy like. One day I catch him. He say, un jour, je l'ai attrapé, il a dit. When he wake up. Quand il s'est réveillé, sa voix était comme ça. These people, they do like we don't have YouTube. Ils font comme si nous n'avons pas YouTube.
J'étais quelque part, le pasteur Ado et le pasteur Christian. I've been listening to their j'écoutais leur prière. C'est this boys. Elle dit, ah, ces frères. Christian will preach, le pasteur Christian va prêcher. Like, et quand il prêche, il fait la main aux gens comme ça. There's a guy called Theophilos. Il y a un frère appelé Théophilos. This man said, pastor. Claude. Le frère là aussi. Ado die. Le pasteur Ado. So? And when he come to church. Et quand il vient à l'église. First prayer Ado will lead, he will tune. La première prière, il va conduire, il va régler le son d'une façon. And hit a strings. Et il joue les strings. And he will be doing Theophilos on the church. Et il fait le Théophilos sur l'église. One day I called and said, Ado, please. Un jour, je l'ai appelé. Alléluia. You are a prayer person. Tu es un homme de prière. Keep your originality. Garde ton originalité. That guy keep his originality. Le frère a gardé son originalité et les gens l'écoutent aujourd'hui. If you are mais copy, si tu es en train de le copier, tu vas perdre pour toi. You can learn from somebody. Tu peux apprendre de quelqu'un. Somebody can inspire you. Quelqu'un peut t'inspirer aussi. But being a photocopy of somebody, mais être la photocopie de la personne, an abomination to God. C'est comme une abomination à Dieu. Be the best you. Sois la meilleure version de toi. We learn from people, but be you. On apprend des gens, mais sois toi-même. Hmm? So this importation of the alors, in, the l'importation onana, des onana et des in, des i là. Please. Pardon. Develop you. Faut te développer toi-même. One day, Pastor Christian said, "We have to burn candle or something." Un jour, le pasteur Christian dit, "Nous devons, hein? Devons consumer les l'encens." We are going to Aladura. Là, on est sur le chemin d'Aladura. Night of incense. La nuit de l'encens. What you want to say simply that we will pray. Ce qu'il voulait dire, c'est que nous allons prier. Ah, so we are burning incense. Et nous allons brûler l'encens. Burning incense. Are we in Roman Catholic Church? Sommes-nous dans une église catholique? Amen. Amen. So please, let's learn well. Alors, let's apprenons bien et permettons au Saint-Esprit to direct us. De nous guider. As I tell you, this is the week of the Spirit. Et comme je vous l'ai dit, voici la semaine de l'Esprit. The Holy Spirit will provoke us to have that taste, thirst and hunger for Him. Le Saint-Esprit va nous pousser à avoir cette faim et cette envie pour lui. One of the things I'm looking for all of us is that desire for evangelism. L'une des choses que je cherche pour nous tous, c'est ce désir de l'évangélisation. There was a time in my life. Il fut un temps dans ma vie, je l'ai toujours, mais je le veux encore davantage. You will not meet me and I'll tell you about Jesus. Tu ne vas pas me rencontrer et je ne vais pas te parler de Jésus. I take your cow. One day I was talking to a motor guy. I said, if this guy born now, he will throw me down. Un jour, je parlais à un conducteur de moto. Je dis, ah, si c'est neuf maintenant, il va nous jeter à terre. Because some of the message. Parce que certains des messages. It get them angry. Ça les met en colère. Yeah. Oui. So let that desire come. Alors que ce désir revient en nous. There's somebody here you are called to do 100 days of fasting. Il y a quelqu'un ici qui est appelé à faire 100 jours de jeûne. I was receiving something from you, Ado. Je recevais quelque chose pour toi, pasteur Ado. Not here. We talk later. On va parler après. There are, come. Turn your back. There are many of you. Il y a beaucoup d'entre vous. Bewitchment hand have touched you. La main de l'enchantement vous a touché. De l'envoûtement vous a touché. It have quenched zeal in you. Et a éteint le zèle en vous. That evil hand should be removed. Que cette main maléfique soit ôtée. Amen. You were accelerating till you hear. Tu accélérais et puis tu as freiné. May the hand of God clean it for us. Que la main de Dieu nous nettoie. Amen. May the Lord bless us. Que le Seigneur nous bénisse. May the peace of God be with que us. La paix de Dieu soit avec nous. In Jesus, au nom de Jésus. Amen. Clap for Jesus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. I hope whoever will bring the envelope has brought it already.
Ceux qui doivent apporter l'enveloppe. Pardon? Your own sport. Tomorrow. Okay. We are not only keeping it here, but we pray over it. Nous les gardons pas seulement ici, mais on prie dessus. That God should answer you. Que le Seigneur vous exauce. We have not opened it yet. On l'a pas encore ouvert. My prayers are signed. A pastor on it to be. J'ai mis un pasteur dessus pour prier sur l'enveloppe. For divine intercession. Pour une intercession divine ou bien une intervention divine. But that, it doesn't mean that you will not pray. Cela ne veut pas dire que toi tu vas pas prier. Okay. So since we are in the last week. Alors please, comme nous sommes dans la dernière semaine. At least tomorrow should be the last day. Demain sera le dernier jour. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We would like to do crusade in Vekunya. Nous voudrions faire une croisade à Vekunya. So some of you should bring in. Alors c'était donc commencer par apporter les vêtements. Your nice shoes. Les jolies chaussures. So that we can send to the villages. Pour qu'on puisse l'envoyer au village là-bas. Don't give us something that you cannot wear. Ne nous donnez pas quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser. If it's dirty, then wash it first. Si c'est sale, lave-le en premier. And package it well for us. Et tu l'arranges très bien et tu l'amènes. Some of your children dresses. C'est tes habits de vos enfants. We would love to have them. Nous aimerons les avoir. Even scarf. Même les foulards. Amen. Amen. And the way we did for the north, we want la façon dont nous avons fait pour aller vers le nord, nous voulons aussi faire de la même façon pour aller à Vekunya. Amen. Amen. So God bless you. Alors que Dieu vous bénisse. Pastor. Offering. Oh, okay. Pastor Sami, say offering. Nous allons faire l'offrande. Thank you. Put it. Ah, okay. But you're not singing for us. Let me check whether you do that. Brenneye, O Christoni, Fanto Boise, Faye Wadinina, Evi Asi, Wolo Son Sumindia, Brenneye, Evi Asi, Nodia Pinin, Sumindia, Brenneye. That's Paulina. We are sinning, would you see so many a brethren? Brethren, oh, Christoni. That is you. That is you. Brethren, yeah. Her life. Minia ojidini. Fantobo asi. Yeah, what did you know? We are singing, so many by the grace of our Lord Jesus Christ. Rosina, you don't greet. Christ on me, brethren, my hand was in front of you. Fantobo asi. Fire wanting in a. Ade fati. Every asi wuru sumsu mini abrebreneyo. Rebreneyo. On Christo ni. Every asi ni wuni apini sumini abrebreneye. Every asi ni wudrimi kan sumini abrebreneye. Yeah.
Reverend,